Yo. Alors, avec des potes, vu qu'on est breton, qu'on a l'occasion de pouvoir profiter un peu de nos week-ends prolongés en ce moment, on s'est pris une petite baraque en fait sur une île là. Du coup, il n'y a que nous le temps de 2-3 jours. Et du coup, bah, on va faire pas mal d'activités nautiques. Là, je vous fais en plus l'intro au milieu du séjour. Du coup, hier, on allait faire de la chasse sous-marine ici. Et ce matin, on était là-bas, à la pointe de l'île en face. Et vraiment, ça a été très très sympa. Il y a des bancs de lançons gigantesques ici. Mais il faut savoir que c'est une zone qui va se découvrir totalement à marée basse. Donc c'est une grande vasière par là avec des fonds sablonneux. Donc il y a des bancs de lançons énormes qui se cachent en fait à marée basse dans le sable et qui ressortent à marée haute. Donc on va tenter là-bas de tremper quelques leurres pour voir si ça donne quelque chose à la canne. Ça y est, du coup je suis rendu sur le spot que j'avais plus ou moins repéré, donc au bout de l'île. Donc là, faut savoir que là, tout droit face à moi, il y a une sorte d'alignement de têtes rocheuses. Après, comme je vous dis, voilà, normalement, par grande marée, on peut aller quasiment à pied sur l'île en face. Donc c'est vraiment des zones un peu particulières. Donc faut voir s'il y a du poisson qui est de passage. En tout cas, je sais qu'on va pas faire de la vieille, ça c'est sûr. Pour faire la vieille, il faudrait que j'aille en face sur l'île. Là-bas, c'est blindé de vieilles, c'est incroyable. Il y a du bar qui est de passage, je pense, là, dans les zones de courant. On va voir, on va tester déjà là. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, cette session de pêche à la canne n'a rien donné. Allez, c'est parti pour les sessions de chasse qui ont été vraiment superbes. Et donc pour ce premier jour de chasse, eh bien, du coup, on part avec tout notre équipement. Donc évidemment, combinaison, plomb, bouée, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour se mettre bien. Le premier jour a été plutôt compliqué. Je vais vous montrer pas mal d'extraits de vidéos où on ne voyait pas grand-chose. Parce qu'en fait, quand on est parti sur le premier spot qu'on avait repéré sur Google Maps, il a fallu qu'on parte à partir de la pointe nord de l'île qu'on avait en fait pour le week-end. Et en fait, les fonds étaient relativement vides. Donc pas mal de sable, très peu d'algues en fait, mais on rencontre beaucoup, beaucoup de bancs de lançons. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, là il est vraiment balèze. J'étais en plein milieu du banc, j'essaie de bien vous les filmer, mais on voit pas grand-chose, vraiment, pas de roches, etc. Puis tout d'un coup, on arrive dessus, sur des rochers, au bout d'une heure, hein, d'une heure, je vous jure, hein, on a nagé une heure avant de trouver nos premiers rochers. Donc là voilà, on commence à prospecter tranquillement dans les trous, voir si on trouve pas, je sais pas, un homard, du tourteau. Mais bon, je vous avoue qu'on n'y croit pas trop et au bout d'une heure et demie, on commence vraiment à désespérer. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. En plus, on n'est pas très loin d'un chenal. Malgré nos bouées, je me dis, est-ce que les bateaux à moteur vont nous voir? Donc pas très à l'aise dans l'eau, surtout qu'on est en lendemain de soirée en plus. Donc l'apnée n'était pas au top. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours un plaisir d'être sous l'eau. Donc là, toujours rien dans les rochers. Que des algues, que du goémon, des petits poissons, des petits gobies, des petites blennies. Et là, je vois un premier poisson. Le premier poisson vraiment de taille respectable que je vois au bout d'une heure et demie, 1h40 de plongée. Je vous assure, ça m'a fait quelque chose. Là, franchement, je me suis dit, ça y est, mon gars, t'as enfin trouvé the spot. Là, on approche de quelque chose de très sympa. Du coup, là, vous voyez, c'est une petite vieille. Enfin, une petite vieille, une vieille de taille relativement moyenne. Elle s'est cachée dans la faille. Je vais ajuster mon fusil et je la tire. Et mon tir a été plutôt précis. Donc comme je vous dis, on est en lendemain de soirée, mon apnée franchement dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, j'ai dû reprendre mon souffle avant de déloger ce poisson. Du coup, il y a mon pote Max qui est juste au-dessus. Il m'a vu tirer, du coup, il est là, genre, assez content. Du coup, je déloge tranquillement la vieille. Il y en a une deuxième qui sort d'ailleurs de cette faille. Et puis en fait, bah, je me rends compte que bon, elle n'est pas si grosse que ça, mais bon, elle est assez respectable. Mais bon, on est plutôt content parce que je vous assure qu'au bout d'une heure et demie, 1h40, sans rien voir, c'était vraiment un exploit incroyable de tirer cette vieille, je vous assure. Et en fait, on va la garder pour le soir, hein, pour la lever en filet. Et franchement, c'est un poisson correct. J'avoue que je ne l'avais encore jamais mangé. Et honnêtement, c'est correct avec quelques épices. Alors sur le chemin du retour, on avait encore des zones avec pas mal d'algues et pas mal de vie. Donc là, on a vu un petit crabe vert. Mais j'ai envie de vous montrer également des tout petits bouquets, des toutes petites crevettes accompagnées d'un petit Bernard l'ermite. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quand même de la vie, même si c'est de taille plutôt petite. Donc toujours sur le chemin du retour, belle surprise. Belle surprise, je sais pas si tu arrives à la voir en bas, là au milieu. Ça y est, une petite araignée de mer. Alors là, franchement, euphorie du moment. Je te jure, ça fait 2 heures, 2 heures et demie qu'on pêche. On a vu qu'une vieille que j'ai tirée.
Et là, je trouve une araignée de mer. Tu vas entendre ma réaction quand je sors de l'eau. Et tu vas entendre la réaction de mes potes. On va faire Waouh, elle est énorme, elle est énorme. Mais on le sait très bien. Elle est trop petite. Elle fait même pas la maille. Elle doit faire 11 et demi. Du coup, on va la remettre à l'eau, cette petite araignée. En tout cas, ça aurait été une première séance de chasse le premier jour. Bah, sympa quand même, mais un peu vide. Par contre, le lendemain, on a fait une bien meilleure session. Du coup, le lendemain, on repart encore pointe nord de notre île, mais cette fois à marée basse. On a pas mal marché, et en fait, on est allé sur l'île en face, parce qu'on savait que ce serait forcément meilleur, et on est tombé sur The Spot, avec plein de varechs, plein d'algues de différentes espèces, dont je ne connais pas les noms, d'ailleurs. On a commencé à voir pas mal de vie, il y avait pas mal de petites vieilles, à droite à gauche, des gobies, du bouquet, etc. Et là, on s'est dit que ça allait être enfin notre journée. Là, je repère vraiment une vieille qui est au-dessus du lot, elle est vraiment très grosse. Je déloque du coup ma sécurité, et je vais commencer à l'aligner. Alors, je suis désolé, c'est pas bien cadré, on va pas vraiment voir bien mon tir. On la voit là, la vieille, hein. Elle est au bout du fusil, elle est relativement loin, elle est lente, hein, elle est en mouvement, etc. Donc, je continue un petit peu mon apnée, je vais l'aligner, attention, je vais tirer, et là, clac, je la tire. Et en vrai, j'étais content parce que je l'ai pas mal séché, bon, c'était pas encore en pleine tête. Je suis un peu, c'est un peu dommage parce que du coup le poisson est encore vivant quand il a la flèche dans le corps. Malheureusement, j'aurais bien voulu le viser en pleine tête. Et là, vraiment, je sors une vieille, mais vraiment, j'en avais jamais tiré d'aussi grosse. Je suis content, je suis vraiment content. C'est pas The vieille, mais elle fait largement plus d'un kilo. Du coup, je suis vraiment content. Elle doit faire un kilo, enfin largement. Elle doit faire un kilo 100. Du coup, je suis très content parce que ça va faire des jolis filets pour ce soir. Alors, on continue du coup nos recherches hein, dans cette zone pleine de sédiments. Donc, c'est une zone en fait avec une belle veine de courant. On se dit donc qu'il va y avoir du bar dans le coin. Et en effet, il y en a. Maxime, Max va en trouver. Il va en tirer un. Malheureusement, il va partir de sa flèche ce bar. Donc, c'est hyper frustrant. Mais dans la foulée, il va nous trouver voilà, une araignée qui eh bien, fait ouais, 13 cm. Du coup, bon, elle fait la maille. On en a une autre de 13 cm. Du coup, on va la garder parce qu'elles sont pleines en ce moment. Elles sont délicieuses. Du coup, on la garde. Moi, je plonge. De mon côté, j'en trouve une. Et je me dis, est-ce qu'elle fait la maille? Est-ce qu'elle fait les 12 cm? Bon, je vais la remonter au-dessus pour bien voir. Et puis après, je vais prendre mon pied à coulisses. Hein. Enfin, mon pied à coulisses. Non, même pas. Parce que celle-ci, je n'en avais pas besoin. Mais elle commence à me pincer le gant. Et du coup, je me dis, ah, elle est trop petite. Du coup, je gigote un peu pour la libérer. J'essaye d'amortir sa chute avec mon fusil, hein, parce qu'elle est vraiment trop petite. Elle doit faire 11 cm, 10 cm. Et puis au final, elle fait sa petite chute. Allez, salut, petite araignée. Retourne dans les profondeurs. Je lui fais un petit coucou. Toujours pendant ce deuxième jour, on voit pas mal de vieilles. Et puis là, il y en a une qui me paraît pas trop mal, qui va apparaître dans pas longtemps. Donc là, je suis en indienne, hein, au fond, tranquillement. Vous voyez, il y a pas mal de sédiments. Hein. C'est très riche en phytoplancton et zooplancton, cette zone. Hein. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant de poissons. Et la vieille, elle va passer en fait pas très loin de moi. Elle est en plein mouvement. Elle est relativement de taille moyenne. Je la tire, bam! Ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Et cette vieille, elle a vraiment des couleurs magnifiques. Elle est rouge-orangée avec du blanc. Elle est vraiment sublime. On va la garder aussi du coup pour l'apéro du soir. Donc au final, on aura deux vieilles ce jour-ci. On aura mangé de la vieille hein, ce week-end. Hein. La prochaine fois, on essaiera de tirer du poisson plus noble. Hein. Si le bar était resté au bout de la flèche, déjà, on aurait eu un bon poisson. Du coup, voilà, cette vieille, comme je vous dis, elle est vraiment magnifique. Franchement, je la trouve superbe. Voilà, donc notre session de pêche s'arrête ici. On retourne sur notre petite île, bah, du coup, qu'on avait louée pour le week-end. Donc, comme vous pouvez voir, on peut continuer à pied, hein, parce que là, en fait, c'est vraiment une grande vasière très plate. On avait des coëffes relativement bas. Et puis, ouais, c'est vraiment l'heure de rentrer, parce que dans notre maison, on n'a pas de chauffage. Il va falloir couper les bûches, parce que la cheminée est toute petite. Et du coup, vu qu'on n'avait pas de hache, on était à la pioche. Ouais, je vous assure, on était à la pioche en train de couper des bûches pour essayer tant bien que mal de se chauffer dans cette grande longère bretonne. Mais c'était vraiment un week-end super sympa. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux également me suivre sur TikTok. Et puis, bah écoute, sur TikTok, je poste pas mal de contenu en ce moment, mes petites sessions de pêche et tout ce qui ne peut pas être mis sur YouTube. Voilà. Et puis, sinon, bah écoute, je te dis à bientôt pour un prochain contenu. Allez, tchuss!